Là, on est sur un voilier de 9 mètres, dans un joli bleu clin, je dirais. Ouais. C'est clin. Et on va partir faire un petit tour du port pour voir le port principal. Et puis ensuite, on va aller au large, qui sait, peut-être en Corse ou en au Australie. Sénégal. Oui. Peut-être à Hawaï. Donc là, il y a moyen du vent. Non, il y a moyen de vent. Mais on a un petit moteur quand même. Donc c'est un voilier et on est moderne. Quoi. Il est que 9h45. Et je pense qu'on est déjà à un niveau de chaleur assez optimal. C'est parti. On a Alain qui nous dirige et Robin son moussaillon. C'est Alain le chef et Alain c'est il vrai. Tient le génois. Dis si tu veux du mou. Ouais, c'est bon. Je le passe à l'extérieur de lui aussi. À l'extérieur des deux, oui. Okay. Derrière ta copine. Ouais, c'est toi. Derrière. Alors, 8. Nous faire un numéro 8, Sophie. Le numéro 8. Tu le connais là? Tu sais le faire? Oui, j'ai su, hein. Oh là là. Et moi, j'ai facilité. C'est ça? Ah mais 20 sur 20, hein. Oh là là. Oh mon Dieu, je me rends utile. Et ça s'arrose. Ah. Hey, c'est champagne. Tu fais quoi avec? Ah oui, mais c'est très bien. C'est alors le nom 8, il sert à quoi? On sait pas. À bloquer. Pour pas qu'elle sorte du filoir, ouais. Là, voilà. Là, on n'a pas le temps, hein. On va aller se balader un petit peu. C'est pas le... Et puis là, maintenant, Jean-Drice, elle va... Elle va hisser la voile, Jean-Drice, c'est toi, ouais. Oui. Ça y est, elle l'a perdue. Comme si j'avais pris la mer. J'ai quitté la génoise. C'est souvent. Eh, mais je vois bien. Allez, allez, allez. Ouais, bravo. Là, tu mollis, je crois que tu mollis. Allez, 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 tu mollis là. Oh. Allez, encore un peu, stop, voilà, c'est bien. Alors maintenant, on fait un tour. Là, ici. Sophie, il faut souquer les artémuses là. Non, on va se calmer. On va rien souquer du tout. On va se calmer, d'accord. Abat un peu, léger, tranquille. Alors abattre, oui, je dis abattre, ça veut pas dire on tue tous les gens qu'il y a dans le bateau. Hein. Ou chanter des chansons suédoises. Abattre, ça veut dire s'écarter du vent. On va enlever la housse. Enlève-nous et la on housse. Va chercher. La drisse de Grosbois, c'est la bleue, c'est celle-là. C'est rigolo parce que drisse, on a cherché, c'est la diarrhée. Ah bah oui. Voilà. Et puis maintenant, alors il n'y a que toi qui bosses, mais les autres. Alors là, t'as vu, il y a derrière toi, il y a un petit taquet, ou de l'autre côté là-bas. À côté d'Axel, c'est juste derrière toi. Ton prénom, c'est comment? Marion. Marion, regarde vers. Voilà, là. Oui, ça. On passe le. Écoute, par-dessous la voile, et puis on va l'attacher. Par-dessous. Voilà. Ça. Et tu la mets, tu la passes dans les dents. D'accord. Tout simplement. Pas les tiennes. Oui, tout simplement. Voilà. On y est. Allez. Allez, encore. Allez, vas-y, on tire. On tire. Allez, Sophie. On lève encore là. On lève là. Ouais. On lève. Allez, vas-y, on tire fort, de toutes les forces. Ah. Eh ben, mon vieux. Bah, bravo, Sophie. Alors, Sophie, petite conclusion sur cette journée voilier. Alors franchement, moi j'ai trouvé ça super sympa. Bon, j'ai un petit peu eu le mal de mer parce que je suis un petit peu sensible. Mais il y a eu des vrais bons moments. Par exemple, un des moments phares. Phare bateau, MDR, tu l'as? Voilà. Un des moments phares, ça a été quand j'ai réussi un nœud d'huître. Ouais. Oh là là, le naturel de la scène. Pas de préparation. Oh. Fais un nœud d'huître, paf, nœud d'huître. Mais moi, je l'ai dit tout de suite à mes parents, je les ai appelés. Hein. Ouais. J'étais trop fière de ouf. Tu m'étonnes. Et le moment où t'as. C'est la grand voile. Et tu as. Hissé sous le vent. Si tu veux, toi aussi, faire un stage à l'UCPA, je t'invite à aller sur le site. Qui doit probablement être ucpa.com, hein, au débeauté, et avoir toutes les belles photos, tous les animateurs, tous gentils les uns que les autres, et tous ces sports de voile et de glisse qui sont formidables. À bientôt sur la mer.